Et à la fin, Gloria Estefan. Ce qui est très rare. On lui a mis des balais. Elle est là pour nous, la reine des imitatrices, qui fait un carton partout. Véronique Dicker. Allez, on se lève. Don't feel good. I can't help and don't feel good.
que c'est beau. Cette jeune fille a tout. Tout. Merci. C'est plus, c'est pas une imitatrice, c'est plus merci que ça. Beaucoup. On va applaudir aussi les ballets de Jacques Dor et l'orchestre de Véronique Cohn. Ils vont avoir du boulot ce soir, tous. Viens vite, ma Véronique. Viens vite, après tous ces applaudissements que tu mérites, parce que vraiment, vraiment, oh là là, c'est plus qu'une imitatrice, cette jeune fille, elle bonsoir sait tout faire. Elle est belle, elle sait tout faire, elle a une énergie, elle a une voix. Qu'est-ce que je suis contente, puis la dernière fois, c'était il y a 6 mois, oui, même pas. Oui. Et puis alors là, ça s'est accéléré, ça prolonge à la Cigale jusqu'au 14 novembre. Jusqu'au 14 novembre, novembre et après l'Olympia. Quand? L'Olympia et le 8 et 9 janvier. Ça sera la première fois. Oui, 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 ça sera mon premier Olympia. Et après, au Capitole nous à Québec. Nous tous. Du 11 au 14. Je reviens de Québec, il y a des affiches d'elle dans toute la ville. Oui, c'est ça. Alors, pour ceux qui iront à Québec, oui, oui, vous pourrez me voir en janvier. Mais nous, regarde les Canadiens. Fabien et son agent. Fabien et son agent. Dis-moi, ça va pas trop vite? Parce que ça va vite, là, d'un seul coup. Hein. Écoute, ça va très bien. Je suis très bien entourée. Et puis, j'apprécie énormément tout ce qui se passe. Franchement, on rêve de ça. Et quand ça nous arrive, bien, il faut avoir les deux pieds sur terre et en toujours profiter. Toujours le mieux pour rêver, c'est les yeux ouverts. Voilà. Voilà, c'est voilà, ça. C'est très et bien dit. À propos, tiens, comment va Céline Dion? Bon choix, tout le monde, ça va bien. T'es contente d'être là, hein? Je suis très, très contente d'être là ce soir ici. Comment vont les jumeaux? Les jumeaux vont super bien. Et René Charles et René, on est tous très, très contents. Et on est très contents d'être ici aussi ce soir. Merci, merci. Oui. Dis-moi, est-ce que tu sais, Céline, évidemment, tu sais pourquoi tu t'appelles Céline? Bien sûr que je sais exactement pourquoi je m'appelle Céline. En fait, c'est ma mère, maman. Ta mère? Ma mère. Ta mère? Ma mère. Ma mère. Faut que tu prennes des cours c'est de ma canadien. Mère, oui. C'est ma mère, en fait, qui aimait beaucoup la chanson du Gaufrier, Céline. Oui, oui, oui. Et voilà pourquoi je m'appelle Céline. C'est magnifique. C'est une vraie histoire. Fait l'enchaînement. C'est magnifique, c'est magnifique. Parce que Hugo Frey, ce qui serait formidable, c'est qu'il soit là-bas, en coulisses, ah, et qu'il se précipite sur scène pour nous chanter Santiano, par exemple. Voilà. Ça serait formidable. Oui, tout le monde se lèverait. Génial. Allez, mon Hugues, c'est à toi.